Nous vous présentons Anne-Laure Léonard de l'association Circonflex. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez l'association Circonflex, vous préparez le spectacle Attraction. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Alors c'est important pour nous d'être là aujourd'hui pour montrer les activités qu'on propose ici dans le quartier, pour rencontrer le public, voilà, parler de nos spectacles, de nos ateliers, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent en bénéficier. Vous représentez l'association Gym Sport pour tous. Racontez-nous vos activités. Bien alors, nous pratiquons plusieurs activités pour le sport pour tous, en fait Gym Sport pour tous. Mais ici, dans la maison de quartier de Fontaine-Douche, nous faisons surtout des cours de gym pour personnes âgées en prévention des risques de chute. Bonjour Lisa Godot, vous représentez l'orchestre Dijon-Bourgogne. Vous êtes ici dans le cadre de l'orchestre des quartiers. Pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Parce que c'est la journée porte ouverte et que du coup, ça va brasser beaucoup de monde. Donc on va à la rencontre aussi du public, de la maison de quartier et du centre social à l'occasion de cette journée. On représente du coup l'orchestre des quartiers. Donc c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants ce qu'on fait avec les instruments tout au long de l'année. Les Francas, c'est une association d'éducation populaire et un mouvement d'éducation populaire. Et c'est aussi une fédération de centres de loisirs, donc qui propose des projets, initiatives d'enfants. Et la CODEJE, une association qui œuvre dans le cadre de la protection de l'enfance, mais aussi dans le secteur médico-social, est présente aujourd'hui. Voilà, et principalement avec son service, le service de prévention spécialisée, avec des équipes d'éducateurs qui effectivement accompagnent des jeunes, à la fois sur des actions éducatives individuelles, mais aussi collectives. Thank you.
partez, allez. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui à Fontaine-Douche pour ce bel événement. On voit toutes ces belles énergies rassemblées autour d'une journée ensoleillée, pleine de bonne humeur, pleine de solidarité. Et on voit qu'à Fontaine-Douche, on a du cœur, qu'on sait faire vivre ces mots de solidarité, de fraternité. Bravo à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette belle organisation. Merci à eux. Et puis que toute l'année à Fontaine-Douche se passe de la même manière, dans cette joie, cette bonne humeur, avec toute cette belle énergie déployée aujourd'hui. Mes premiers remerciements iront aux enfants, sans qui la journée n'aurait pu pas se... Excusez-moi. Donc, la réussite de cette journée est en partie grâce à eux et aux équipes pédagogiques qui ont permis la réalisation de ces push-cars qui ont été vraiment une vraie réussite, tant dans l'originalité. J'appelle en première équipe l'équipe des étoiles filantes qui venait du centre de loisirs de Pignon-Luxois. Je vous prie de venir. Donc, cette équipe a remporté l'épreuve du Super Prix. Donc, le Super Prix, c'est pour le relais Pushcar. Le prix des rapidos. Le prix des rapidos, c'est sur le slalom. Sur la course en ligne. Et le prix des musclores, sur le push-push. Trois prix pour eux, on les applaudit bien fort. Donc, je laisse les élus remettre ces prix aux enfants. Félicitations. Ce sont les Arlequins. Les Arlequins qui sont du centre de loisirs Anjou de Fontaine-Douche qui remportent cette année un prix très spécifique. C'est le seul, mais c'est un trophée très particulier. C'est ce qu'on appelle le trophée coup de cœur, qui est le trophée du jury. Donc on a souhaité remettre ce trophée coup de cœur à ce centre de loisirs-là, puisqu'on a remarqué qu'il y avait une conductrice qui était plus que hors norme. Elle a fait des parcours extra. Et en plus de ça, elle n'a que 6 ans, donc elle ne devait pas être dans cette catégorie-là. Elle était dans une catégorie en plus.